On a un seau qui est situé là-bas qui contient 4 tonnes. Donc on peut larguer 4 tonnes d'eau. L'écopage, on trempe notre seau dans l'eau et uniquement par gravité. Hein. Et ensuite, en arrivant sur le feu, on a un système qui ouvre le fond du seau pour pouvoir larguer l'eau. Le département de la Corrèze est soumis à un risque feu de forêt, notamment en période de printemps. Et on a une géographie qui est particulière en Corrèze, puisqu'il y a des accès des fois qui sont compliqués, notamment par exemple la vallée de la Dordogne. Et cet engin permet d'appuyer les équipes qui sont sur le terrain et de les aider sur des points inaccessibles, donc de gagner du temps et la sécurité du personnel également. On verra dans l'Amérique. Tout se fait par radio et les indications données par l'équipe au sol sont les plus importantes au final, puisque c'est les yeux du pilote pour savoir ce qui se passe dessous. Même si le pilote il a une belle vue de l'ensemble parce qu'il y a une caméra sous l'hélicoptère malgré tout, les personnels au sol sont quand même très importants dans ce genre de situation pour savoir où se passe, où va passer le panier et quels sont les risques auxquels on risque d'être confronté, s'ils sont trop bas ou trop hauts par rapport à la situation à laquelle on va devoir faire face.